faut faire attention avec les souvenirs. Comment qu'il va, mon François? Je suis tellement content de retrouver mon père vivant. Vivant? T'as toute la vie devant toi, François. Profite-en. Pour une fois, parlons-nous avant qu'il soit trop tard. Comment j'ai pu te laisser aller comme ça? Je t'aime, François. Mais va-t'en. Laisse-moi te dire. À mes parents que j'aime, que j'aime. Ta mère t'a dit la bonne nouvelle, c'est pas extraordinaire. C'est beaucoup d'émotions aujourd'hui, là. Toutes ces années de mensonges, d'angoisse, d'isolement. Je me suis dit, je vais aller voir comment qu'elle va, ma mère. Mais aller jaser ça un peu. T'es le meilleur père. Ouais, puis je vous aime. Je les aime, mes enfants. Tu sais, ton père, il s'empêchait de vivre bien des affaires parce que... Il y avait des grosses idées dans la tête, des fois. T'as-tu soif? Hein? Tu boirais-tu quelque chose, mon François? Une liqueur? C'est quelque chose, la vie, hein? Ma mère dans un bar. Ma mère qui a tellement haï les bars, qui a tellement sacré contre les hôtels où il fallait aller chercher notre père. Je te regardais puis je me disais, ça se peut pas, je rêve, c'est pas ma mère. Entre les cadeaux que l'aîné reçoit et la distribution des gratteux, l'alcoolisme repenti du père et l'usure de la mère, se dessine le portrait de toutes les familles avec tout ce qu'elles comportent de non-dit, de sous-entendu et de pas entendu du tout. Ça a l'air bon. La belle surprise, qu'est-ce que tu fais ici?